Alors que le couronnement du roi Charles III approche, le dossier Prince Harry et Meghan Markle reste sur le haut de la pile. Le nouveau monarque songerait à prendre une nouvelle mesure à l'égard de son fils et de sa belle-fille. Selon les informations du New York Post, il se peut que le couple perde l'une de ses résidences royales. En effet, peu avant leur mariage célébré en 2018, ils avaient pris possession de Frogmore Cottage. Un cadeau de la reine Elizabeth II. Mais aujourd'hui, la résidence royale située à proximité de Windsor pourrait avoir un nouvel habitant. En effet, il se murmure que le roi Charles III songe à céder Frogmore Cottage à son frère le prince Andrew. La raison? Le duc n'aurait plus les moyens financiers d'assumer son logement au Royal Lodge, sa grande maison dans le Berkshire. Le mari de Camille Parker Bowles aurait d'ores et déjà entrepris les démarches pour déloger Meghan et Harry. Quelles conséquences sur la vie du couple? Depuis 2021, Harry et Meghan sont installés outre-Atlantique, à Monte Quito, en Californie. Le couple vit dans une villa somptueuse. Leur quotidien est désormais en Amérique, où ils élèvent leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Le scandale de l'affaire Epstein. Si la rupture de Meghan et Harry avec la famille royale britannique a fait du bruit, l'affaire Prince Andrew a elle aussi créé la polémique. L'américaine Virginia Giuffre affirme avoir été forcée par Jeffrey Epstein et son amie, Ghislaine Maxwell, à avoir eu par trois fois des rapports sexuels avec le prince en 2001, alors qu'elle n'avait que 17 ans. En février 2022, suite à la plainte déposée par Virginia Giuffre quelques mois plus tôt contre le prince Andrew, ce dernier avait trouvé un accord à l'amiable avec sa plaignante, en contrepartie d'un versement financier substantiel dont le montant n'a pas été dévoilé. Virginia Giuffre aurait été invitée à ne faire aucune déclaration publique pendant un moment, indique Le Sun. Reste à savoir si elle tiendra sa parole. On your